Il y en a trop de bonnes, j'arrive pas à choisir. Fais voir. Celle-là, celle-là, celle-là. Tu peux les enlever tout de suite. Faut pas perdre de temps. Pourquoi ? Elles sont pas blondes. Faut qu'on se fixe une règle. On cherche une blonde, là. Soyons efficaces. C'est un peu débile comme critère. En plus, si nécessaire, elle peut se teindre les cheveux ou mettre une perruque. Peu importe le critère. Ce qui importe, c'est qu'on trouve un moyen de faire le tri. On se concentre sur la plastique, on verra l'acting à l'étape suivante. Il ne s'agit pas de savoir si on doit couper les poireaux dans un sens ou dans un autre. On parle d'actrice, là. On parle de comédienne à qui on doit un minimum de respect. Justement, par respect pour ces actrices qui attendent notre réponse, il faut qu'on prenne une décision rapidement. Être rapide, ce n'est pas forcément s'empêcher de penser. La pigmentation, c'est un critère objectif. On ne peut pas se tromper. Par exemple, si on cherche un gros nez, il faut définir ce que c'est qu'un gros nez. La pigmentation, c'est peut-être un critère objectif, mais peut être modifié par le maquillage, une perruque. C'est pas valable. Chaque partie de notre corps a le pouvoir de nous représenter. Bien sûr, la partie ne peut pas suffire à rendre la totalité. Quand on rencontre une actrice lors d'un casting, on n'a accès qu'à une partie de sa personnalité. On est obligé de se déterminer par rapport à un critère pertinent pour nous. Mettons qu'on parle de taureau. On dira le taureau noir ou le taureau blanc. Mais à la ferme, on dira le taureau reproducteur ou le taureau pour l'abattage. Ce sont exactement les mêmes taureaux. Seulement, on les discrimine de manière différente, selon le contexte. Pour choisir une actrice, c'est la même logique. On isole le caractère discriminant et on l'applique. Ah oui, avec un taureau, on comprend mieux. Le taureau n'exige pas de respect, c'est vrai. Mais on est en train de choisir une actrice, pas d'écrire un bouquin de philo. Ce qu'on doit faire, c'est simplement définir le critère de différenciation et l'appliquer. Béton comprend comme critère la pigmentation et la couleur des cheveux. Qu'est-ce qui te fait penser que Europe est blonde ? Il y a plein d'autres possibilités. La blondeur symbolise la sainteté et la pureté dans l'iconographie traditionnelle. Il s'agit d'un modèle idéal dans l'inconscient du public. Je te rappelle qu'il s'agit d'un film grand public. Notre travail n'est pas d'élargir le champ des possibles, mais au contraire, d'isoler les meilleures candidatures, et ce, par une décision ferme et claire. C'est tout sauf clair. La blondeur, ça peut être aussi la superficialité, le matérialisme, la bêtise. Dans l'Iliade, Europe est une princesse phénicienne. La Phénicie, c'est un territoire qui correspond au Liban ou à la Syrie. Il n'y a pas beaucoup de Libanais ou de Syriens blonds. Ce sont plutôt des bruns, des châtains, voire des roux. Mais il n'y en a pas beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout. Et puis, il s'agit d'un film de fiction, pas d'un documentaire historique. Ce qu'on recherche, c'est à susciter l'identification des spectateurs. Homère est un poète, l'Iliade est un mythe. Justement, les spectateurs en ont marre de ces princesses blondes. Une robe rousse, ce serait déjà peut-être plus inattendu. Ce n'est pas l'inattendu qui fonctionne avec le public. Il faut que celui-ci soit en empathie avec les personnages. Il y a dans la population européenne 20% de blonds. Ce n'est pas la majorité, mais ce n'est pas rare. Pas anormal ou étonnant. Les roux ne sont que 5%. Cela donnerait une impression d'originalité particulière. De plus, la rousseur était associée au diable, au démon et aux sorcières. La naissance d'un bébé roux était considérée comme un signe néfaste. Quant aux bruns, eux, c'est la majorité. C'est un peu à contre-courant de l'idée qu'on se fait d'une princesse. C'est comme ça. C'est dans l'inconscient collectif. D'ailleurs, regarde celles que tu as choisies. Même si elles ne sont pas blondes, elles sont toutes belles. Et pourquoi pas une Europe moche et rousse ? Moche et rousse. Ben non, belle et blonde. Ah,
Bah, la princesse blonde, c'est quand même un gros cliché. J'aimerais bien voir autre chose. Autre chose ?